Mieux comme ça. Aujourd'hui, comme vous en doutez certainement si vous avez lu le titre de cette vidéo, regardez l'intro et observez le décor autour de vous, nous allons parler chaussures. Si aujourd'hui chiner ou confectionner une tenue vintage ou rétro est chose aisée, il est parfois plus difficile de trouver chaussures à son pied. La chaussure définit l'allure, c'est une partie non négociable du style. Elle parachève une silhouette et lui donne de l'élan. Nul doute que les chaussures servent à préserver le pied et à permettre la marche. Mais des siècles de talons vertigineux et de bouts en spirale laissent perplexe quant à l'usage premier de cet accessoire. Quoi qu'il en soit, les souliers étroits qui engendrent de petits pas, les talons qui font marcher sur la pointe des pieds ou encore les plateformes qui confèrent à leur porteur une allure de balancier font partie de l'élaboration d'une silhouette. Avant de vous présenter ma collection personnelle, penchons-nous d'abord sur cet accessoire que l'on enfile tous les jours et que l'on croit connaître et découvrons brièvement son histoire. Peu d'objets de mode ont l'importance des chaussures dans l'histoire, dans l'art, dans le cinéma, dans l'histoire sociale et culturelle, dans la politique ou même dans la sexualité. Mentionner le mot « chaussure », c'est immédiatement jouer d'images mentales et évoquer des formes artistiques. C'est plonger dans la mythologie, c'est arpenter le star system et c'est se rapprocher des milieux les plus élitistes de la mode. Chaussures, souliers, sabots, escarpins, bottes, sandales, mocassins, baskets, platform boots, chaussons, ballerines, talons aiguilles, la profusion des patronymes est vertigineuse. À travers le monde et le temps, la chaussure adopte une incroyable diversité de formes. Pourtant, que ce soit dans notre société occidentale comme dans le reste du monde, du Moyen-Âge à nos jours, les souliers des femmes, des hommes et des enfants partagent la même raison d'être. Protéger la peau fragile du pied des menaces du sol et du climat. Par conséquent, cette pièce de vêtement se révèle indispensable au déplacement piéton. Toutefois, dans bien des cas, certaines chaussures ne sont pas vouées à la marche, car souvent délicates, menues, fragiles ou volontairement inconfortables. Si elles peuvent révéler le goût de leur propriétaire pour une forme ou une couleur, elles servent plus généralement à clamer une distinction sociale. Durant des fouilles dans la grotte de Tianwen près de Pékin, des scientifiques ont conclu que les êtres humains fabriquaient déjà des chaussures il y a 40 000 ans. Dans la plus haute antiquité, on observe des sandales faites en cuir, en paille tressée, avec des lanières de feuilles de papyrus ou de palmier, et même en or pour les pharaons. À Rome, les sandales représentent un signe distinctif car elles différencient les hommes des esclaves qui, eux, n'ont pas le droit d'en porter. Voici un campanus romain. C'est la chaussure de prestige de l'Antiquité romaine. De couleur pourpre, elle est réservée aux empereurs. Il s'agit ici d'une reproduction réalisée par la maison Galvin, spécialisée pour les chaussures de théâtre. Il est intéressant de noter que les premières chaussures cousues sont apparues dès la fin du Moyen-Âge, avec la création d'un processus de fabrication encore en usage de nos jours. Dès le 8e siècle, la chaussure recouvre intégralement le pied, car sous la moralité chrétienne, ce serait un péché de montrer la moindre partie de son corps, même ses pieds. À cette époque, la forme des souliers évolue avec l'apparition des chaussures à bout long et pointu, appelées poulaines. Plus le rang social de la personne qui la porte est élevé, plus la pointe peut être longue. Au cours de la Renaissance, avec l'évolution des modes et les bouleversements politiques, sociaux et intellectuels, les chaussures deviennent plus pratiques en retrouvant des bouts plus larges. Parallèlement, les chopines font leur apparition à la cour de France sous l'influence des nobles dames de Venise. Il s'agissait de chaussures surélevées dotées d'une plateforme de bois pouvant mesurer jusqu'à 60 cm de haut, maintenues au pied par des rubans, pensées pour hisser les femmes et ainsi les mettre en valeur. Certains y voient les ancêtres des semelles compensées ou plateformes. Au XVIIe siècle, les talons sont un symbole de luxe et de privilège réservé aux classes aisées, les classes les plus pauvres ne pouvant porter que des chaussures pratiques pour aller travailler. Ce soulier de femme en damas brodé de fils d'or et d'argent témoigne des matières raffinées utilisées, signe de noblesse. Les talons ne sont pas réservés uniquement au genre féminin. On se souvient tous de Louis XIV en 1660 avec ses chaussures à talons rouges.
Au cours de ce siècle, les chaussures sont comme les vêtements, faits de dentelles et de broderies. Elles se veulent pointues, avec des rubans et des boucles. Voici un soulier porté par Marie-Antoinette, qui, soit dit en passant, en aurait possédé jusqu'à 500 paires différentes. Cet objet est étonnant par ses dimensions, puisqu'il mesure 21 cm de long et pas plus de 5 cm de large. Comment une femme alors âgée de 37 ans pouvait-elle glisser son pied dans un soulier aussi menu ? Chroniques, mémoires, romans de l'époque nous révèlent que les dames de l'aristocratie au XVIIIe siècle puis de la haute bourgeoisie au XIXe siècle marchaient peu et que leur mobilité était contrôlée. Le fait de porter des chaussures étroites leur imposait de rester le plus souvent assises. À l'instar du corset, les chaussures étaient également une façon de contrôler le corps des femmes. À la fin des années 1760, les talons deviennent plus fins pour même disparaître après la Révolution. La mule s'harmonise avec l'esprit du temps et devient révolutionnaire. On efface ce qui rappelle le luxe de l'aristocratie en jouant avec de nouveaux symboles. Au 19e siècle, la mode a de plus en plus d'influence et l'invention de la machine à coudre sera une véritable révolution dans l'histoire de la chaussure. Autre grand changement, Alexis Godillot, un Français, invente le pied droit et le pied gauche. Enfin, il conçoit pour la première fois des chaussures différenciées pour chaque pied et en profite pour ajouter des semelles courbées pour mieux correspondre à la forme naturelle de la voûte plantaire. Durant cette période, c'est également le retour des talons hauts sur le devant de la scène. Les bottines arborent une multitude de boutons que l'on ferme à l'aide d'un tire-bouton. Sur cet exemple, la finesse de la forme et les délicates broderies sont caractéristiques des élégantes créations de François Pinet. En 1910, une réglementation est instaurée pour s'assurer de la décence du style vestimentaire féminin. Plus de 8 cm de talons et votre tenue était considérée comme risquée. Les progrès technologiques de l'après-guerre apportent avec eux une fascination pour une esthétique futuriste et balaient alors les canons anciens. Dans les années 50, les escarpins ont été popularisés et baptisés d'après le nom d'un couteau de combat sicilien, le stiletto. Le style Roger Vivier était de rigueur à l'époque et complétait parfaitement la silhouette New Look imaginée par Christian Dior, un style qui marqua toute la décennie. En 1953, Gucci invente le terme de mocassin, dont le style iconique a traversé les années. Audrey Hepburn fait partie des adeptes de ce nouveau modèle et le propulse sous les projecteurs. Dans les années 60, la mode vole un peu la vedette aux escarpins pour s'adapter au port de la mini-jupe. Quelques expériences sont tentées, notamment par Paco Rabanne dès 1965. Celles-ci portent principalement sur le métal et le plastique dont les propriétés permettent des constructions inédites. Si la basket existe déjà depuis 1868, Nike révolutionne le marché en 1972 en inventant la chaussure sur coussin d'air. Aujourd'hui, la chaussure est produite et utilisée dans le monde entier, mais la Chine à elle seule fabrique plus de 50% de la consommation mondiale et ne compte pas moins de 20 000 entreprises spécialisées dans sa confection. Aujourd'hui, l'industrie de la mode est une des plus polluantes. L'utilisation de coton, de traitements chimiques pour le cuir, de plastique, mais encore les conditions de travail dans les usines posent question. On ne peut fermer les yeux indéfiniment sur l'état du monde, même si parfois il serait plus simple de continuer à faire l'autruche tranquillement. Les problématiques actuelles nous enjoignent à changer et à revenir à un mode de consommation plus réfléchi. Il est bien dommage, n'est-ce pas, qu'il soit d'usage d'acheter plus de 10 paires par an dans des magasins de fast fashion. Des chaussures qui bien souvent finissent complètement hors d'état à la fin de la saison et qui iront rejoindre à la poubelle nos idées d'un monde meilleur et plus sensé. Le retour à une mode dite vintage encourage à choisir ses accessoires avec réflexion et passion. On privilégie les belles matières, on achète moins, mais plus juste. C'est l'occasion de travailler avec des boutiques artisanales qui proposeront des créations de belle qualité, faites pour durer. Mon dressing chaussures personnel compte une dizaine de paires adaptées à plusieurs situations. La partie pro est un peu moins fournie. Je dirais qu'une bonne moitié est issue du seconde main, de friperie, et l'autre d'achat ou de cadeaux de marques de slow fashion. Les chaussures, au même titre que les sous-vêtements, font souvent débat quant à leur achat en seconde main. Il est vrai qu'un soulier se forme au pied de son premier propriétaire, et qu'il est parfois tellement déformé, le soulier, pas le propriétaire, quoique, qu'il soit maintenant trop tard pour lui donner une seconde vie. Cependant, forte d'une longue expérience d'étudiante sans le sou, j'ai arpenté pendant de longues heures les rayons d'Emmaüs ou de Vinted et j'ai acheté la plupart de mes chaussures d'occasion. Il ne me semble pas avoir eu de problème de chaussures trop déformées ou immétables.
L'achat sur internet peut néanmoins réserver plus de mauvaises surprises. Je vous conseillerais toujours de vérifier les avis qui sont émis sur un vendeur, cela vous donnera des indications sur sa façon de fonctionner. Deuxièmement, repérez les marques qui sont indiquées sur les produits que vous avez en vue et allez voir sur les sites officiels le guide détail. Vous saurez ainsi s'il faut surtailler ou sous-tailler. Pour les chaussures d'époque, c'est toujours un peu la loterie. Mais si elles ne vous plaisent pas à la réception, vous pourrez toujours les revendre. J'ai trouvé pas mal de pépites, que ce soit à Emmaüs ou sur internet. Par exemple, cette paire de boots vintage que j'ai achetée sur Etsy à une boutique spécialisée dans les vêtements anciens. Elle était en parfait état à son arrivée et c'est une des paires que je porte le plus. Quand j'aime une marque, je me mets aussi des alertes sur Vinted. Je suis depuis un moment les arrivées de bottes NeoSense. Dès que les prix valent le coup, je complète ma collection. Pour d'autres paires, j'ai eu vraiment de la chance. Chiner ce genre de pépites à Emmaüs devient de plus en plus difficile. Mais il arrive de trouver la perle pour 3 ou 4 euros. Alors, persévérez! Si pour vous c'est un réel plaisir de sentir le cuir neuf ou d'ouvrir une boîte à chaussures et de les enfiler pour la première fois, ou si tout simplement vous ne trouvez pas votre bonheur en seconde main, il existe des créateurs qui ont en commun un savoir-faire exceptionnel et la passion de la chaussure. Commençons notre lèche-vitrine par la marque Charleston, qui a été créée par Samantha Capello, une passionnée de mode vintage dont les pieds souffraient de ne pas pouvoir concilier chaussures anciennes et confort. Si l'entreprise fut d'abord basée à Sydney, elle déménagea par la suite pour suivre sa créatrice à Singapour. Depuis toujours, la marque a à cœur de maintenir une production lente mais qualitative, dans le respect de ses collaborateurs. Une réelle attention est portée au traitement des ouvriers dans l'usine de fabrication. En termes d'environnement, la marque s'engage également et réduit au maximum ses emballages. Les boîtes sont en carton recyclé et le papier de soie a remplacé le plastique. De plus, depuis sa création, l'équipe de Charleston n'a à ce jour jamais détruit de paire. Toutes les paires discontinuées restent en vente jusqu'à ce qu'elles soient vendues, tous les articles retournés sont vérifiés, puis reconditionnés et vendus à des prix réduits. Les chaussures Charleston sont pensées et réalisées dans l'idée d'apporter un réel confort à ceux qui les portent, et je peux en témoigner. La gamme de prix s'étend de environ 70$ à 160. Les chaussures Charleston sont conçues pour apporter un réel confort à leur utilisateur, et je peux vous dire que c'est une chose réussie. Pour le moment, je n'ai jamais eu de frais de douane, mais si vous préférez ne pas tenter l'expérience, vous pouvez retrouver quelques paires Charleston sur la boutique Top Vintage, qui est basée aux Pays-Bas. J'ai récemment eu des retours d'une abonnée qui a passé commande chez eux et elle est ravie de sa nouvelle paire de chaussures. Ah, Jazz and Fashion. J'ai une affection toute particulière pour cette marque, qui a été créée par un professeur de danse, Bilge Sagnac. J'espère que je le prononce correctement. Si le lindy hop, le jazz solo, le shag ou encore le balboa vous parlent, ces chaussures sont faites pour vous. Pensez pour les danseurs, les chaussures Jazz and Fashion sont d'un confort absolu. À vous de composer votre idéal, choisissez la couleur, les finitions, mais aussi les semelles, le talon qui accroche, le devant qui glisse ou inversement. Ces chaussures s'adaptent à 100% à vos besoins. Jazz and Fashion propose également de vous guider à travers les conseils d'un styliste pour recréer des looks au plus proche de ce qui était porté dans la décennie de votre choix. Vous pouvez également retrouver des vêtements confectionnés sur mesure, le tout dans l'idée de vous apporter style et confort. En ce moment, ce sont 11 personnes qui travaillent dans cette petite entreprise. Toutes les chaussures et tous les vêtements sont confectionnés par leurs soins, il n'y a pas de sous-traitants. Ils ont construit leurs valeurs autour de la transparence, du respect et de l'amour du vintage. Thank you.
cette paire est celle que je porte le plus à la belle saison. Elle s'abîme donc un peu plus vite que mes autres modèles. Je conseillerais de les réserver pour les sorties en ville ou en salle, mais évitez les graviers et les escapades à la campagne. Quand j'ai commencé à monter ce projet de vidéo sur les chaussures, j'ai tout de suite pensé à vous proposer des créations made in France, car c'est maintenant au cœur de mon questionnement sur ma consommation. Consommer français, ça ne veut pas forcément dire être chauvin. C'est encourager une économie plus locale, réduire le transport qui est une grosse problématique écologique, et c'est généralement l'assurance d'avoir un produit de belle qualité. C'est lors de mes recherches que j'ai découvert Jules & Jen, une entreprise créée en 2016 qui propose des chaussures et de la maroquinerie. À la naissance de cette idée, il y a Julien et Jennifer. Inséparables depuis l'enfance, ils décident après une année de voyage autour du monde de se lancer le défi de créer une mode porteuse de sens, respectueuse des hommes et des femmes qui la fabriquent et qui la portent, et à l'écoute de l'environnement. Produire moins, produire mieux, voilà ce qui pourrait les définir. En ce sens, vous retrouverez de manière totalement transparente le type et l'origine des matières, le lieu exact de fabrication ou encore le détail des coûts de production. Jules & Jen vous propose réellement d'être consommateur et de choisir vos achats en pleine conscience. Pour tester leurs produits, j'ai choisi ce modèle de sandales alliant style et élégance, un brin rétro et facilement portable. Le cuir est italien et de belle qualité. J'ai longuement hésité avec d'autres modèles, notamment avec une sortie récente, ces sandales à talons vintage en cuir rose. Oh, je les garde en tête depuis nos premiers échanges et si je dois m'acheter une nouvelle paire, je jetterai mon dévolu sur celle-ci. Je rajouterai que l'équipe est adorable et ça a été un réel plaisir d'échanger avec eux. Je vous invite grandement à aller les découvrir. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'une chaussure, enfin, pas tout à fait, qui a fait partie plus que tout autre de la vie de nos grands-parents. Vous avez deviné ? Eh oui, la Charentaise ! La Charentaise a été créée au XVIIe siècle, c'est-à-dire sous le règne de Louis XIV, mais c'est en 1907 que Théophile Rondineau, cordonnier à La Rochefoucauld, crée la Charentaise contemporaine avec son célèbre dessus écossais. Aujourd'hui, une entreprise la revisite mieux que quiconque. Je vous présente la Charentaise Tcha. Il faut savoir que la Charentaise a un mode de fabrication particulier, le cousu retourné, maîtrisé par une poignée d'artisans seulement. La semelle est cousue et montée à l'envers sur la tige, qui est le dessus du chausson, avant d'être retournée, ce qui donne des finitions parfaites. Cette technique représente tout le savoir-faire de la véritable Charentaise à la semelle de feutre, et lui apporte une souplesse et un confort incomparables. Tcha nous parle aussi de feutre de laine foulée, de lin, de cuir lisse pleine fleur ou de cuir velours, et à travers ces matières est évoquée la qualité de leur création. Ils travaillent avec les meilleurs tanneurs et tisserands français, italiens et espagnols qui s'accordent tous sur le respect de l'environnement et du bien-être animal. Si les matières proviennent de l'Union européenne, la fabrication est-elle 100% made in France, en Charente bien évidemment. Les ateliers sont situés à Touvres, où tout est pensé pour correspondre aux valeurs éthiques et environnementales de la marque. Parlons maintenant de la paire que m'a gentiment envoyée Tcha. J'ai eu du mal à ne choisir qu'un seul modèle, ils sont tous magnifiques, et il y a même des versions souliers avec une semelle en gomme et tige de cuir, le chic absolu, j'adore. J'ai opté pour le modèle Woolly en feutre gold et lurex fourré en pure laine.
Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé mettre vos pieds dans un nuage. Eh bien, c'est tout à fait la sensation que je me figurais. Sans rire, au moment où je l'ai enfilé, toute ma voûte plantaire s'est détendue, à tel point que j'en ai même goussé. Il n'y a pas de superlatif au mot confort, mais là, je crois qu'on arrive quand même au summum. Je n'avais jamais ressenti ça, du coup, j'ai envie d'en offrir à toutes les personnes que j'aime pour prendre soin d'elles et leur apporter ce petit moment de plaisir. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie et que je vous aurai apporté quelques pistes de réflexion pour vos futurs achats. En tout cas, le monde de la chaussure est vaste, alors n'hésitez pas à me parler de vos marques favorites à votre tour. Je tiens à remercier Charlie Stones, Jazz & Fashion, Julie Jen et Cha qui m'ont suivi dans cette aventure et qui m'ont fait confiance, et sans qui cette vidéo n'aurait pas pu avoir lieu. Si d'autres sujets vous intéressent, dites-le moi en commentaire. Je serai ravie de faire quelques recherches et de vous proposer une nouvelle vidéo. Je crois que Lupin se joint à moi pour vous souhaiter une belle semaine. J'espère que nous aurons du soleil et beaucoup d'amour. Alors, à bientôt! Tu fais quoi? Je peux savoir ce que tu fais ?